Phasmophobia vient de bénéficier d'une très très grosse mise à jour. Pas de nouvelles maps, en revanche de nouveaux fantômes, mais surtout un rework au niveau visuel, sonore et de gameplay. Nous avons au niveau visuel des skins qui ont été modifiés, le thermomètre, le crucifix, la bougie, bref. Globalement, nous avons un visuel qui est beaucoup plus agréable. Et même au niveau des contrastes, le contraste, lui, est plus immersif, ce qui m'amène à l'autre point qui est l'immersion sonore. Je suis plutôt très sensible à ça et il y a eu beaucoup de travail fait là-dessus avec les fantômes qui s'expriment pas de la même manière ou, point majeur, au niveau de la Spirit Box, les retours qui sont assez terrorisants, quoi. Nous avons ensuite d'autres éléments qui sont au niveau du gameplay avec l'approche de deux points. D'abord, nous avons un nouvel objet qui va apporter un nouvel indice, donc un nouveau prisme et de nouvelles probabilités pour pouvoir déceler la nature du fantôme. Nous avons le projecteur DOTS. Le projecteur DOTS, c'est un objet qu'on fixe au sol ou au mur qui projette tout autour des pointes laser. Pour pouvoir identifier cet indice, nous devons utiliser l'infrarouge, la vision nocturne d'une caméra, comme on le fait avec les orbes. Sauf que quand vous avez posé cet objet, vous pouvez percevoir très subrepticement le visuel, les contours du fantôme. Enfin, un autre point, c'est au niveau de la course. Vous avez un sprint sur une courte durée avant de décélérer, ce qui équivaut à un essoufflement. Voilà, ce sont les éléments majeurs qui ont été modifiés. Alors bien sûr, il y a de nouveaux fantômes. Tout apporte un peu plus de profondeur. Le gars qui est à l'œuvre fait un travail incroyable. En tout cas, je ne suis pas déçu. Je souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de succès pour la suite de Phasmophobia, qui est un jeu qui me tient à cœur. Et je vous laisse découvrir cet épisode. Ok. Thermomètre. Lampe. Donne-moi d'abord la lampe. Ok, maintenant c'est à gauche. Steven Anderson. Allez, on est résolu. Steven! Les masques tombent. Edreda, bienvenue à toi. On va poser le matériel là et on va aller allumer les petites lampes. Ok. En fait, ce que j'avais pas capté, qui m'a probablement fait décéder une fois, c'est que je pensais pas que le sprint repartait. Je pensais que c'était juste un genre de sprint burst, unique au départ. C'est-à-dire que tu faisais le boost comme ça, après tu relâchais parce que ça servait à rien. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais en prison. J'ai relâché le sprint alors que tu as des petits à-coups de vitesse. Pam pam. Bon, elle était à l'école, pas en tôle. Tout s'empêche pas, hein, je connais des éditeurs. Alors, ça c'est ok, bon, on va prendre le reste. On va poser une caméra dessus. Alors, on va prendre ça parce qu'on va pimper le couloir. Il est trop stylé. Hein. Franchement, le coup de la Spaydox, je trouve qu'elle est vachement bien. C'est à l'UDEV, un TX, j'espère que tu vas comme tu veux. Passage asthmatique. Bah ouais, parce que c'est un vrai reflet de la réalité, parce que je le suis aussi. Oui, le fantôme est un chat. Dégueulasse. Quel âge avez-vous ? Ok, je me disais que sur un malentendu. Ça, c'est le nouveau matériel. Singer ! Ok.
On va récupérer du matos, puis après on va aller en... en quête de température froide. Après j'ai qu'à lire le chat hein, pour baisser de température, mais... Ça c'est ok. Voyons voir ma santé mentale, 93. C'est pour ça que pareil c'est nul. Alors du coup ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Objectif secondaire, crucifix, lecteur MF, mouvement. Parfait. Toujours plus que un... dans un Cthulhu. Ça me manque. Ça me manque, ça me manque. Elle me manque. Elle me manque. Posons ceci là. Oh là, les yeux violets. Ça va trop bien. Ça ensemble. Prenons le thermomètre. Voyons où est-ce qu'on peut le caler. Je reviens. Je sais pas, je me dis que ce fantôme est de gauche. Hein. Ok. Ok, bonjour. Non, c'est cette map-là qui est plus grande. On va voir avec les maps, de manière générale. Merci Geoffroy, merci beaucoup pour les 6 mois, merci d'avoir choisi ma chaîne avec ton Prime. Re-bienvenue à toi. Welcome back. Bonsoir Boden. Y'a pas de porte ici, hein. Ok. Je vois qu'on se dégonde. Eh bien, on s'autorise bien les choses. Ouais, là, je m'essouffle un peu. Amaterasu. Amaterasu qui était aussi dans Donjons & Dragons un dieu extrêmement puissant. Merci pour ton prime, merci beaucoup d'avoir choisi ma chaîne. Hein. Bon, c'est évidemment inspiré de la mythologie japonaise, mais je me souviens dans le guide de Donjons & Dragons, deuxième édition, il y avait le manuel des dieux. Et il est très très stylé quoi. Puisque évidemment, Donjon a pompé à tous les râteliers au niveau mythologique, donc évidemment s'ils ont pu faire la reproduction des dieux nordiques ou de toutes les mythologies japonisantes, c'était le cas aussi. En revanche, je me souviens pas, je pose la question, hein. Dans un jeu de rôle de White Wolf, White Wolf qui est l'origine donc de Vampire la Mascarade, et qui a fait toute une gamme de produits avec des styles de jeu un peu transverses, notamment Loup-Garou, Wraith, où tu joues des esprits, des fantômes, qui vivent à travers leurs émotions, et qui sont ancrés dans la réalité, et qui essaient de passer le voile justement de la réalité de l'éther pour donner des signes de vie et posséder des objets ou des gens. Et tu as Changeling, où tu joues des fées, ou assimilées, des créatures, on va dire, folkloriques, et un peu dans la veine, oui, lutin et tout compagnie, quoi. Et t'avais un penchant qui s'appelle Sion, où tu incarnes un enfant de Dieu, hein, qui ça fait penser un peu à Percy Jackson, hein, pour celles et ceux qui ont vu le film, qui avait un potentiel, dommage, qui est bidé, hein, ça s'assumait pas. Eh bien, je ne me souviens plus dedans, puisque tu avais un panthéon aussi japonais dedans. Bonjour, monsieur Lance. Vous êtes venu tout seul. Ça va te voir, c'est très gentil, Scotch. Avec plaisir, hein, Limas. La porte est fermée, mais il y a l'ombre de... Ok, très bien. Ça a l'air d'être un esprit de l'étage. Et il paraît d'ailleurs qu'on n'en a pas besoin en tant qu'adulte. Une fois qu'on devient adulte, on n'a plus besoin de... Excellent. Na, 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 na. Encore un fantôme de droite, hein, j'ai l'impression, hein. Parce que vous avez touché un héritage.
On n'entend pas grand chose, hein. Ça hante, mais ça, hein, ça n'assume pas. Oh, attends. Oh, ok. Ça me raconte beaucoup, hein. Voilà, je suis un mort-vivant, machin. Je suis des gens, je suis là depuis 200 ans. Même pas capable de faire sonner un téléphone et tout. Au moins qu'il y a Pascal qui récupère, qui rattrape, hein, bien sûr, l'incompétence du fantôme. Hein. C'est Ouija, ça? Non, c'est un dossier de chasse. Merci beaucoup, Pascal, pour les 9 mois. C'est un très beau bébé que nous avons là. Que nous allons appeler bébé. Bébé, le bébé. Non, on va pas prendre ce nom-là. On va prendre un autre nom parce que... Les gens qui ont vu Dirty Dancing risquent de confondre. Ça m'embêterait assez. Et parce que, voilà, on ne laisse pas bébé dans un coin. Truc avec le porteur japonais. Ouais, je disais voilà, qu'Amaterasu... Oh, Amaterasu est un membre du porteur japonais. J'ai entendu, hein, j'ai entendu... le renard et la belette ouvrir des portes. Hein. Alors qu'à la base, il chante. Ça n'a pas de sens. Oh, oh, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Je le sais, je le sens. La porte n'était pas ouverte. Patoche, souris. Est-ce que t'es là? Du soleil, Znagir. Il y avait aussi les deux. Hein. Il y avait aussi les deux. Hein. Znagir. Et Zanami. Dans le Panthéon. Dans le bouquin de Donjons & Dragons. Je pense qu'il est derrière là. J'ai entendu claquer la porte là. En bas de. J'ai une création de l'enfer. Ok. Tombé à 6, thermomètre? Ok. C'est un peu trompeur, la lumière, en face. 6 degrés? 6 degrés? 6 degrés? Attends, on se rapproche du chat? Regarde les... C'est la tasse track. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue à toi. Regarde les anciennes pièces. J'ai entendu un plop là, hein. Là où j'ai crié. Là, ici? Non, c'était juste après du coup. Hein. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là. Oh. C'est le regard. 6, 16, 16. J'ai fait ça. Tu es là. 13. 18. Je suis au milieu là. J'ai crié. Oui, là. Là, ici. Dans la pièce centrale, du coup. Okay, excusez-moi, je vais éclairer un peu la zone. J'aimerais faire pipi dans une couche. Dis donc. Ceci ne serait pas un poil obséquieux et non pas. Oh, si on peut. Pourquoi choisir? Vous savez pas dans quel sens ça se ferme, c'est ça? On est là, on est là.
C'est un musicien. Wow! Dash! 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 Il est en face. Steven, arrête de me suivre! Qu'on le regarde. C'est ça, il aime pas qu'on regarde dans les yeux. Donc tu reprends le camion et voilà quoi. Ok. Bah on peut dire que ça s'est bien passé. Oh. Je me sens un peu mieux. Ok. Ok. C'est fou comme ça défonce la santé mentale. Ah ouais, non, mais... la violette, carrément, quoi. Je suis d'accord. Avec la lumière, là, t'as l'impression de faire du Jean-Michel Jarre entre cet ultraviolet-là et ce vert-là. Est-ce que ce monde est sérieux? Ok, j'ai une caméra que je vais poser là. Je vais faire ça. Bonjour. Allez, go! Attends, il t'a éteint le disjoncteur encore. Il a éteint le disjoncteur. Et c'était un fantôme de centre, du coup. Ah non, il a pas éteint. C'est moi à l'entrée où je suis même allé. Ok, très bien. Je m'attrape. Mes yeux. Mes yeux, mes yeux, mes yeux. Ok. Il est en centrale en haut, hein, ça. L'œil brillait un peu rouge. Ok, gros fan de ce squad. Hein. Il paraît que Will Smith n'avait pas re-signé. Ok. Être un peu compliqué. Je pense que c'est tout droit, c'est là. Hein. Ok. Est-ce qu'il avait fermé la porte? Bah non, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Oui, j'avais raison de piquer. Ok. Lumière! Ok. Je l'ai mis où mon thermomètre? Alors. Toute réponse pertinente est utile. Où est-ce que je l'ai laissé? C'est pas ici. Ok. Ah là, 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 là. Du coup, ok, du coup c'est là.
Du coup, je me trompe de pièce. Sinon, autrement. Ouais. Cactus. Laissez dans mon cactus. Attends. Non. On a un cucu. Peut-être déménager entre temps. Je connais cette rumeur. Ok. Très bien. C'est là donc. Ok. Moi aussi je sais faire. Ok. J'aurais bien placé ça ici, hein, en fait, plutôt. Hein. Avec genre, voilà, comme ça. Attends. Non, si. Tu serais bien aimable de ne pas. De ne pas apparaître. Maintenant. De ne pas faire ça. Merci. Cordialement. Bisous. Voilà. Ok, je pouvais descendre par la gauche plus rapidement. Alors qu'en fait. Ok. On a encore un projecteur. L'appareil qui fait la lumière verte, c'est un projecteur DOTS. Donc un pointeur laser à point laser en fait. Et ça permet de donner une silhouette au fantôme si tu l'observes à travers la caméra et notamment l'infravision, la vision nocturne en vérité. À l'image des... des orbes. Et de la même manière. Mais non, j'ai posé ça comme un sagouin. Et donc, c'est une nouvelle manière d'observer. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Steven? Steven? Steven! Starway to Seven? Donnez-nous un signe! Oh, j'étais pas pressé en fait! Hein? Et si on se parlait franchement? Je veux dire, Steven. Klaatu, Verata. Nectarine. On a déjà plus de santé mentale, hein. On est déjà. Quoi? Attends. Ricrac, hein. Enfin, est-ce qu'il est en chase? Steven, c'est pas gentil, Steven! C'est un peu traître. Je suis d'accord, là. Meilleure mise à jour de... Dash! Steven Nonos, dans le coin. Au bout. J'aimerais que dans une prochaine mise à jour, ils mettent la voix d'Edouard Baird. Mais en fait, à la base, moi je ne suis pas là pour manger des âmes. Parce que qu'est-ce que c'est que manger une âme? Une âme,
Déjà, faut savoir identifier et manger, qu'est-ce que c'est quand on est mort? Ça ne signifie plus rien, je veux dire. À la base, manger, j'aimerais bien, mais j'aurais aimé plutôt manger quand j'étais vivant. Là, ça ferait sens. Et une âme, je veux dire, si je m'adresse à un roux, techniquement, est-ce que je peux manger son âme? Sachant que, en qualité de fantôme, je ne peux ni manipuler de bâton, ni manger. Franchement, si nous étions honnêtes envers nous-mêmes, est-ce que ceci a bel et bien du sens? Voilà, je serais ok. Ok, super. Ok. Ok. Un peu easy, mais pas trop quand même. Ça m'étonne. On a en plus tout le matos, par contre, on va voir si on a des médicaments. 42. On n'a pas vraiment la réponse, mais en tout cas, on a le reste. C'est-à-dire. Oui. Et on va mater par les caméras. Et avec donc la mise à jour et le projecteur Dots, on peut, avec la vision nocturne, voir s'il y a une silhouette de fantôme qui va passer. On peut voir à travers cette caméra qui convulse soit les orbes, soit une silhouette qui passe en mode net net. Est-ce qu'on voit quelque chose du coup? À part lui qui fait. Ouais, est-ce qu'on voit? Non, j'ai pas l'impression. Hein. Pas l'impression. Hein. Après, il faut prendre une autre caméra. Pour un autre angle. Projecteur! Le projecteur! C'est ça! Il est passé en mode. Ça fait penser à ce film sur Netflix qui s'appelle Spectral, qui est assez impressionnant, qui a de très bonnes idées. Il lui manque quelque chose pour avoir le niveau au-dessus, mais ça fait penser à ça. Moi, c'est le premier truc que je me suis dit. Et il est passé en mode. En roller, quoi, vite. Il y a ça. Donc, c'est soit un spectre, soit un fantôme, soit un yokai. Soit... J'ai pas vu. Ça va prendre 30 secondes. Yokai. Donc, orbe. Spectre. EMF5. Oh non. Fantôme, spectre. Yokai. Empreinte digitale. On a tout ce qu'il faut. Alors on va le revoir. Revoyons la sous-préfète. Attention. Il va repasser, observer bien sûr ce qui peut se produire à tout instant. Est-ce que vous avez remarqué, c'est imminent. Gardez les paupières relevées. Ne clignez pas des yeux. Cela va se produire maintenant. Maintenant. Là, dans moins de 5 secondes, dans moins de 4 secondes, dans moins de
3 secondes. C'est imminent. Gardez bien les yeux ouverts. Dans moins de 2 secondes. Là, ça arrive. C'est là. Vous l'avez vu? C'était ouf, hein? C'était grave, grave ouf. Ouais, vous l'avez vu? Eh bien, ben oui, vous l'avez vu, hein. Évidemment. Vous l'avez vu, hein? Mais fait attention, je vais pas... Ah, sérieux, je vais pas y retourner, sans mec. Vous êtes pas lourd à ce point-là. Si, bah ouais, vous l'avez vu. Vous l'avez pas vu? Si, vous l'avez vu. Bien sûr, vous l'avez vu. Plein de... Mais oui, c'est assez évident. Oh, ça fait... ouais. Bon, ça, je trouve ça trop cool de... Là, j'ai l'impression d'enquêter ensemble, tu vois. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, hein. Les MF5, pas content, pas content. Dis-moi que ces empreintes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, oh, ça va. Oui. Pardon, excusez-moi. C'est pas un MF5. Très bien. C'était un oui positif, j'aimerais le souligner. C'est... ouais. Les objectifs bonus, c'est-à-dire comment ça, à quel niveau, comment, dans quelle position. Appareil photal. Caméra, c'est pour vous que je vais faire ça. Je vais poser une autre caméra. Parce que... Ok. Parce qu'un certain nombre d'entre vous n'a pas remarqué ce qu'on s'est évertué à fixer. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Au-delà de l'entertainment, je suis un peu dédié à ce chat. C'est pour vous que je fais ça. Je laisse un peu ouvert quand même. Empreinte. Ah ouais, on peut regarder aussi le move. Parce que la caméra. Elle. Peut se mettre. En. Vision nocturne également. On peut pas mettre ça ici. Genre. Voilà. Parce qu'on est vraiment des gros marrants. Qu'est-ce que tu deviens? Comment ça va? Bien ou bien? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Vous les faites pas? C'est important de complimenter quand même, parce que la vie elle est suffisamment moche, faut être agréable. Que voulez-vous? Monopoly. Ah. Je suis venu sans Monopoly, désolé. Capteur de mouvement, ok. Là, ça c'est ce qu'il nous faut. Que voient vos yeux d'elfe? Qu'on est large. Il n'y a rien à voir avec le thermomètre. Alors, crucifix. Pendant qu'on est en chasse. C'est ok. C'est ok, on a ça, on a ça. Oh. Très bien. Bonjour, je viens à l'école.
Très bien. Dites-moi, vous êtes le Premier ministre de ce gouvernement. Quelles sont vos mesures prises pour lutter contre l'échec scolaire? Eh bien, je vais donner à tous les corps professoraux des crucifix. Ah. Vous y croyez vraiment à ces techniques? Oui. J'ai vu ces 8 et je peux vous dire que ils en ont de bonnes idées. Non. Ça c'est ok. Alors il faut que je fasse avec un accent du site, pardon. Monsieur le tueur! Je préfère que je l'appelle Steven. Ce que je peux comprendre, on se connaît un peu plus maintenant, tu sais quoi. Je... Ouais, grave, hein. Va-t'en, prof de maths! Ça a marché. Ça a marché. Ok. À tous les jeunes qui nous suivent, bien sûr, sur cette chaîne, qui ont activé les notifications, vous avez la preuve que pour avoir une bonne note en maths, en plus d'étudier, tu peux avoir un bon crucifix avec... des angles droits, hein, droits comme... Je préfère, tu sais quoi? Je préfère. Sinon, fâché, hein. Oh. Empêcher le fantôme de chasser avec un crucifix. Ça va. Je crois qu'il faut l'empêcher de chasser, c'est-à-dire qu'il faut lâcher le crucifix en mode... le fameux drop the crucifix, hein, en remettant les lunettes de soleil avec des explosions, mais pas en pleine chasse. Monsieur le professeur! Ça va, Ange? Très bien. Drop and run. Nana.
Oui, alors je vais restituer ça. C'est... Non, on fait pas ça. Tu sais quoi, ça serait très traître. Je dirais même que ça serait traître plus. Oui. Service après-vente, j'écoute. J'ai pas assumé la vanne jusqu'au bout. Pardon. Vous savez... Petit fantôme, c'était pas dans le jeu. Moi je fais ok. Ok. Yes, ok. Ok, c'est bien. L'eau sain. C'est vrai. Je vais l'avoir dedans, mais ok. Ah, tu sais quoi, tu peux m'appeler directement sur mon téléphone portable. N'hésite pas. Ouais. Pas obligé de passer par ce genre de. C'est avec les mêmes. L'eau c'était là, hein. C'était un os de droite, on est d'accord, hein. Mmh. Je sens que c'était... Non. Bon, attends, il était où l'eau, ça? C'est sûr qu'il était à droite. J'ai peur de faire confiance au chat, hein. Est-ce qu'il a mon caramel là? À gauche? Bah oui, si c'est pas à droite, c'est à gauche. Merci beaucoup! Ok. T'as essayé de rebrancher, de débrancher. Voilà, bah, j'avais raison. Merci, info chat! Génial! Super! Super! Génial. Non? Génial. Non, mais, attends. On a tout ou pas? Est-ce qu'on a tout? Non, il nous manque un truc ou... On est ok? Je sais même plus, alors... On a Spirit Box? Ah non, on a empreinte, c'est bon, on est ok! Bah on avait... Mais depuis le début, en fait, on avait tout. On avait tout depuis 1000 ans! Et bien sûr. Milan, là je l'école. Hein. Bah ouais, on allait combattre un prof de maths. Donc. Je vais montrer le projecteur. Vous allez voir. Ça va être un moment incroyable. Hop là. Hop là, vous allez voir. Attention, suivez bien. Suivez très bien ce qui va se passer. Dans moins de 30 secondes, il y aura un mouvement spectral. Très pointu. Avec un esprit qui... Hop là. Changer d'angle. Bon, spectral qui va arriver dans... Moins de... Je peux plus prendre des photos ici. Ce sont des caméras 4K. Oh! Voilà.
Eh bien écoutez, pour le travail, rien d'autre. Je... Voilà. Je suis très bien. Très très bien. On est ok. Et pour le crucifix, il peut aller se le mettre dans son théorème de Pythagore. A bientôt pour une nouvelle enquête. Non, regardez, il n'y a jamais eu d'antidépresseur. Et boum. Ça va risquer ma vie. 240 $, ça valait grave le coup.